Voici un autre projet alternatif que vous pouvez faire avec le Paper Pumpkin du mois d'avril 2023. J'ai complètement changé la carte. J'ai utilisé le carton bleu qu'on utilisait là ici dans le devant de la carte, qui est un dégradé de bleu à blanc. Donc le bleu qui était plus foncé dans le bas et le blanc dans le haut. Je suis venue utiliser ours polaire pour étamper la banquise en memento noir. Par la suite, j'ai utilisé ici les petites bosses pour faire du mouvement en dessous de mon petit ours. L'ours a été étampé dans du carton blanc simple et après je suis venue le découper. Et pour ne pas voir le contour de la découpe, je suis venue avec les Stamping Blend Béguin bleu, je suis venue faire le contour extérieur, donc ça paraît moins que c'est une découpe. J'ai également utilisé sur un carton blanc, c'est ce qui vous reste ici là, des découpes, les crayons lueur estivale, clair et foncé, les Stamping Blend. Je suis allée en mettre un peu moitié-moitié là, de foncé et de pâle. Puis après, je suis venue poinçonner avec le poinçon rond ici. Et ça me fait soit la lune ou le soleil. Puis avant de venir l'installer, j'ai utilisé toujours dans les Stamping Blend. Cette fois-ci, j'ai pris après-midi azur foncé et clair. Je suis venue faire le foncé proche de la banquise. Puis après le clair, et je suis venue avec mon nuanceur pour terminer. Puis avec un exacto, j'ai seulement coupé le long ici là, du creux de la montagne et j'ai inséré le cercle qu'on avait fait. Puis j'ai étampé les oiseaux que je suis venue colorier avec blé sauvage clair. Puis autour, j'ai mis un peu de béguin bleu. L'étiquette vient dans notre ensemble Paper Pumpkin. J'ai simplement étampé en noir le vœu qu'on avait ici. Et je suis venue mettre un peu de béguin bleu clair et foncé sur un des côtés. Et je suis venue ajouter un peu d'embellissement là, avec les ornements qu'on avait dans notre ensemble. Par la suite, à l'intérieur, je suis venue mettre un carton noir nu et béguin bleu. J'ai repris une pensée à toi, je pense à toi qui est dans notre ensemble, et les petits oiseaux. Puis pour l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe qu'on a dans notre ensemble. J'ai étampé sur un carton blanc simple l'ours en memento noir. J'ai refait la même chose, tout le contour, je suis venue le faire avec mon crayon béguin bleu clair pour retirer le blanc, puis je suis venue ajouter des petits oiseaux. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!